Jessica, Zams, Albert et Diego sont des enseignants forestiers près des camps dans le Connecticut, à moins de 2 heures de New York. Ce matin, à 11 heures, ils vont se réunir pour décider de ce qu'on va faire de leur talent. Il manque du geste et on pourra commencer la réunion. Où est-elle encore, bon sang? Tadam! Je vous ai préparé du café et des biscuits. Heureusement que je suis là. Sinon, ce serait une réunion sans accompagnement. Bon sang, Zest! Je t'avais dit de cesser de jouer à la servante. Comment tu lui as parlé? Diego, excuse-toi. Ça va, le maigrisson. Je sais ce que j'ai à faire. Hé, t'es nerveux en ce moment. Faut te calmer. En même temps, faire du café est idiot. Comme chez nous, et savons tout, avions besoin d'un stimulant. Vous avez raison. Je vais posséder la savoir absolue. Je suis restée qu'une idiote, une grosse conne. Eh, bravo, Amber. C'est gratuit. De dire des choses pareilles. Ça va, le maigrisson. Tu n'as pas le poids. Je suis pas maigrisson. Fauche-toi. Toi aussi, tu l'as pris pour une idiote. Quoi? C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Fauche-toi. Fais-le. Hop, hop, hop. Oula, oula, c'est chaud. Mais chaud, toi-même. Arrêtez, arrêtez, je vous préviens. Je viens de Brooklyn, je viens de Brooklyn. Et alors, on est censé avoir peur? Non, mais la devise de Brooklyn, c'est l'union fait la force. La belle affaire. Notre don, nous comprenons le monde, très de peu. Mais restons unis dans les difficultés. On ne doit pas se discuter. L'union fait la force, c'est aussi la devise d'un pays en Europe. Carrément, la Belgique, là. Les petits pays marins des gaufres et de la bière. Ouais, mais ils sont aussi connus pour être superdivisés, les pays sans gouvernement. Claire que ça ne marche pas à tous les couples, les troupes de l'Union fait la force. Ah. L'Union fait la force? Tu nous fais bien rire, mais... On ne ferait pas des gaufres? Bon, si on revenait à l'objet de notre réunion, on va décider de ce qu'on va faire dans notre talent. Ça va pas être facile alors, n'oubliez pas, l'union fait la force.